Adieu. Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la saison 3 de Sky Defender avec beaucoup de participants encore une fois. Nous sommes 20 cette saison avec beaucoup de teams, on va faire les présentations rapidement. Donc nous avons la première team Newtituff, Saradin, Natek, bonjour à vous les gars. Nous avons la team Fukano, Pierre et... c'est qui votre troisième? C'est qui votre... Est-ce qu'il naise? Mais on sait pas où il est, ouais voilà évidemment. On a la team Blondie, Poppy, Arm. On a la team Anto, Nouille, Choose a Game. La team Skygro, Big Bubble et Mister B-Boy, le grand, le vrai. Et nous avons également les défenseurs composés de The Miss Addict, Rosgrim, Brioche, As de Pique et moi-même. Donc voilà un petit peu pour le tour des teams. Au niveau du château, cette saison, on est sur une construction de Kidna et Shuriken. Ce sont des abonnés qui nous ont fait le château, qui nous ont fait un château... version automne, on va dire. Vous verrez également en dessous, c'est pas mal de nature morte. On va appeler ça comme ça. C'est un petit peu différent des autres saisons. Je rappelle quand même rapidement le principe de Skydef pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes. Le principe est d'opposer des attaquants à des défenseurs pour le contrôle d'une cité. Les conditions de victoire, c'est que les défenseurs gagnent si tous les attaquants sont morts, et les attaquants, quant à eux, ils gagnent si tous les défenseurs sont morts, que ce soit de leurs mains ou pas, hein, on s'en fiche tant qu'ils sont morts, et qui récupèrent la bannière qui se trouve cette saison dans la petite île sur le côté que vous voyez au loin. Chose importante à préciser, le premier qui récupère la bannière gagne, c'est-à-dire que, enfin gagne instantanément, il n'y a pas de temps d'attente ou quoi que ce soit, une fois que les défenseurs sont morts, vous la récupérez. Et c'est bon. Également précision par rapport à la saison dernière où on l'avait pas forcément précisé, donc on le précise cette fois-ci. Vous avez le droit, si vous voulez, si vous venez et que les défenseurs sont pas là, vous avez tout à fait le droit de piller les coffres. Comme ça vous fait pas attendre dans un coin, comme avait pu le faire par exemple Grimm la saison 2 où il avait attendu. Si vous venez et que bah on a été imprudent et qu'on n'a pas été là, vous pouvez nous piquer nos coffres, c'est tout à fait autorisé. Les alliances sont autorisées cette saison uniquement si la somme de la nouvelle team n'excède pas le nombre de 3 personnes. Donc s'il y a quelqu'un dans une team qui meurt et qui croise une personne qui est seule, ils peuvent s'allier avec eux. Mais faites attention puisque à la fin, si c'est une team d'attaquants qui gagne, eh bien c'est qu'une seule couleur qui peut gagner. Donc si vous êtes vert et que vous êtes allié à un bleu, ce sera soit l'un soit l'autre. Donc faudra vous taper dessus à la fin. C'est alliance... comment dire? Alliance, mais pas jusqu'au bout, quoi. Vous faites gaffe. Pas de PVP le premier jour. Si vous êtes perdu, vous faites slash spawn. Comme ça vous indique les coordonnées du château. Et quand vous êtes mort, si vous mourrez, vous faites un clic molette pour vous TP. Comme ça, on voit pas les messages dans le chat. Et dernière petite chose, on remercie Samagames qui nous a prêté une machine de dingue pour que ça fonctionne très bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. On est là en fait. Merci. Vous avez des questions? Tout est bon pour vous? Oui, attends, oui, je commence. Mets-toi à côté de la moi, s'il te plaît. La bannière, elle est dans le dans l'île à côté. Moi, j'en ai une question. Dans la petite île, oui. Est-ce qu'on diffuse le 1er août? Non. Ah. Sûr. Bon, bref, on va se séparer et on redémarre dans quelques instants. A tout de suite. A tout de suite. Moi, je peux pas me séparer d'As2. Bonjour, c'est parti. Ah c'est mon mon Dieu. Coffre, c'est lui mon coffre. Boum, boum. Comment ça va les amis? Ça va bien et toi? Ça va et vous? Ça va, je suis content. Enfin, on arrive à lancer cette saison. Oui. Enfin, oui. Il faut savoir qu'on a eu un peu compliqué. Quelques petits bah, soucis. Disons qu'on a fait mieux que KTP parce que KTP en général ça a 2-3 heures de retard. Là on a 2 semaines. Ouais, mais d'habitude il n'y a jamais de retard nous, contrairement à KTP, tu vois. Donc attention. Bon, donc on est en team tous ensemble, ça va être cool. Oui. Ouais. Ça va être sympathique. Je propose que pour le début on aille chacun. Faudrait qu'on prenne de la canne à sucre avant qu'il nous pique tout. Oui. Ouais. Et puis allez, miner. Alors il y en a qui ont des pioches en diable. Enfin voilà, se sépare un petit peu puis surtout. Ah, moi j'ai durant, que du fer. Durant le jour 2 ou quoi. Brioche, t'as quoi? J'ai deux pioches en fer, j'ai aucun diamant là. Oui, non, on n'est pas tous avec une pioche en diamant, il y en a que deux. Ouais, justement, est-ce que, vu que moi je vais aller miner avec brioche si on repart comme la dernière fois, est-ce qu'on prendrait pas une pioche en diamant pour brioche? Moi je pars avec Grim! Allez, en deux, trois. Elle est où la deuxième pioche en diamant? C'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai. Non, c'est moi qui l'ai. Vous allez miner tous les deux? Vous allez miner Miss et Grim? Ouais, moi je vais miner un petit peu. Vous minez ensemble ou pas? Voilà, tenez, allez, on échange. Moi je vais rejoindre Grim. Bon, allez. Ok. Ok, ciao!
Ah! Bon, pardon, il y a eu un échange de pioches en haut. Me voilà, coucou ah, Grim! Pardon, pardon. Du coup, j'ai pas suivi ce qu'il disait en haut, tant pis, c'est pas grave. As 2. Ah, oui, moi j'ai qu'on va par là. Attends, mais en fait oui, j'ai bugué, j'ai pressé une mauvaise. C'est pas grave, on va à l'opposé de la dernière fois si tu veux. On s'en va! Adieu! Bon, comment vas-tu? Oui. Comment ça va? Écoute, ça va. J'ai l'impression que d'avoir l'air de déjà vu en fait. Oui, ça fait combien de fois qu'on refait? 3? Ah, oh, ça doit faire 3 fois, un truc comme ça. Voilà. Ah, mais cette fois ça a l'air d'être la bonne en tout cas. Oui. Donc les gens, je suis accompagnée de Rose Grim. Wouh! C'est trop la joie, coucou Rose Grim. Salut. Alors, ce qu'on avait fait la dernière fois et qui était plutôt pas mal, au début on avait parmi pas mal de vaches, de la canne à sucre assez vite. Et les d'ailleurs, pommes. À mon avis, comme les gens savent exactement où trouver la canne à sucre, ils vont se ruer dessus. Alors, bah, moi je sais qu'il y en avait là-bas. Ouais, ouais. Je vais merde, vite. On se les fait prendre. Il y a des gens. Non, il y a des gens, on les tue. Non, on les tue. Pas de kilos pour. Mais tu es sérieusement? Bah oui, toi je te tue. Non, t'as pas le droit. Eh, ouais, papa, par contre, tu piques pas les trucs, ouais. Hein. Oh, si. C'est pas parce que t'es québécoise. Eh, wow, eh, je fais ce que je veux. D'où t'as pu faire? Ah oui, c'est défenseuse. Oui, je suis plus chérie que toi, d'accord. J'ai des privilèges en tant que femme, d'accord. Mais attends, il est où votre château? Il est parti, il est là-bas. Il est parti, d'accord, okay, c'est un château à réaction, tu sais. C'est un château qui bouge, mais j'ai perdu mon partenaire. Ne croise pas mon chemin, parce qu'à l'avenir, tu mourras. Très bien, adieu, Newtitov, je t'aime. Bon, donc, on a perdu Grim à cause de ça, là. Ils ont piqué notre canne à sucre. Parce que, comme avec Grim, on disait, ça fait plusieurs fois qu'on reprend le tournage. Et ici, il y avait de la canne à sucre. Donc, du coup, je vais aller où les arbres là-bas. Parce que j'avais eu des pommes la dernière fois. À moins que je revienne sur mes pas et que j'essaie de trouver Grim. Grim ! Donc, comme vous avez pu le constater, les amis, nous sommes avec le plugin Mumble. Donc, ça, c'est cool. On va quand même tuer toutes les vaches. Ça peut être bien pour le cuir. Et où est parti Grim? Bon, je vais aller où les arbres là-bas. On va bien finir par se retrouver. De toute façon, pas de PVP le premier jour, donc ça devrait aller. Et mais ça aurait été marrant quand même. PVP le premier jour, je les aurais battus pour une fois que j'aurais fait des kills. Ça aurait été cool. Bon, ça aurait été un peu cheat, mais on s'en fout, non? J'entends quelqu'un. Coucou, Zemis. Bonjour, quelqu'un. C'est pas quelqu'un, c'est moi. Bonjour toi. Où es-tu? J'ai rencontré Grim. Je te vois pas. Ah, où es-tu? Je suis sous la terre, la la la. Coucou Sarah. T'as pas le droit de me tuer. Non, je sais, il est où Grim? Je sais pas, je l'ai vu partir de l'autre côté. Là, t'es pas du tout au bon endroit en fait. D'accord, bon, mais j'ai perdu mon partenaire, mais je croise plein de gens. Ouais, moi aussi, j'ai perdu mes partenaires. Il y a eu trop d'excitation. J'ai perdu les deux. Oh, mais je suis trop dans la merde. Attention, il y a un zombie, meurs pas. Ouais, mais je suis trop dans la merde. Déjà? Mais je les trouve plus, ça m'inquiète. Oh oh. Bon, moi j'ai perdu grave. Grim parce que j'ai croisé Natek et Newtitev. Et tu les as croisés où? Ah bah ils étaient là, ils tuaient des vaches. Ah c'est vrai, c'était coéquipier, je croyais que c'était Clem et Blondie. Ils sont par là-bas, ça c'était la dernière saison. T'es sûr? Ils tuaient des vaches il y a quelques par minutes là. Là-bas ouais. Ok, merci. Dans la plaine. Moi j'ai trop peur, ils sont où? Courage! On est avec toi! Et j'espère qu'on va retrouver Grim. Alors, je vais prendre des pommes, parce que on sait bien, team pomme de notch avec moi, c'est la joie. Donc, pas de nouvelles de notre partenaire. C'est un peu dommage, en fait. Allez, on va se faire une petite table de craft. Et on va se faire ça. Et ça comme ça. Voilà. Juste pour dire que ça va un petit peu plus vite. Donc, les équipes, vous pouvez faire pause si vous voulez les voir. Donc, les voilà, des jolies équipes avec plein de gens. Donc, nous, on est les rouges en tant que défenseurs. Donc, je sais, je vous avais dit lors d'un live que peut-être que prochain Skydev, j'aurai vengeance sur Sifano et que je le tuerai pour vrai. Malheureusement, comme vous pouvez voir, ce ne sera pas le cas cette saison. Et c'est mon partenaire, coucou. Hello, Grim, je t'ai retrouvé. T'as voulu me faire peur, hein? Non, ouais, un petit peu, en un fait, petit j'avoue. Peu, hein. Donc, bon, alors. Je disais que je pourrais pas tuer Sifano cette saison parce que c'est mon partenaire. Eh voilà. Oui, effectivement, tu pourras pas. Oui. Bon, c'est pas bien donc, grave, hein. J'ai un petit peu de cuir. Alors, moi, écoute, j'ai énormément de cuir. J'ai 20 cuirs, j'ai 41 stacks. Ok. Est-ce que t'as trouvé de la canne à sucre? Oui, j'en ai 12. Ah, super. Parce que la canne à sucre qu'il y avait ici, on se l'est fait voler.
D'accord, non, donc... mais j'ai largement de quoi subvenir à nos besoins là. Parfait, donc moi je t'ai en quête de pommes, comme tu peux le constater. Je vais venir t'aider. Superbe. Et bah, j'ai que 5 cuirs, mais peut-être qu'ils feront la différence un jour. Nous verrons bien. Il va falloir pas tarder à essayer de miner aussi. Ouais. On va attendre d'avoir quelques pommes et on pourra y aller. Je crois qu'une pioche en bois, ça... enfin une hache en bois, c'est un peu nul. Ouais, mais c'est pas comme sur Celestia avec la hache efficacité 5, hein. Eh ouais. C'est différent. Attends, je vais essayer de récupérer un petit peu de cobble, ça devrait être mieux déjà. Ouais, d'accord. Donc, je détruis des arbres, parce que je suis patiente. Bon, je vais baisser un peu le volume du jeu, je crois qu'il est un peu fort. Ok. Dis-moi, t'as croisé des gens ? Écoute, pour le moment, oui. J'ai croisé pas mal de... Attends, c'est normal que j'entende de la musique ? Non. T'as une pub Chrome ou autre qui s'est lancée ? Non, mais ça fait un petit moment, en fait, j'ai pas fait gaffe, mais je crois que j'ai de la musique en fond. Ouais, c'est cool, t'as pas besoin de faire de montage. Ouais, mais je sais pas si c'est une bonne idée, justement. Ah, écoutez, ouais, d'accord. Je vais faire une légère révision de mon côté, et je vais couper la musique et je vous retrouve. Tu vas perdre des abonnés, tu laisses pas de musique. Mais non. Tap. Je te protège. Y a pas de pommes ici, hein. Ok. Les pommes, où êtes-vous? Tap. Les pommes. Les gens, oui, non, en fait, c'était une petite pub. Je crois que j'ai chopé une pomme. Non, je n'ai pas eu de pomme, dommage. Donc j'ai de la cobble. En fait, il y avait un site ouvert et du coup, j'avais la pub du site. Ça va, donc là, tu vas te faire accuser de placement de produits et tout, ça va être super. Même pas, c'est pour les nuits de crône, tu vois, donc du coup, ça craint pas. Ah, d'accord. Ah oui, c'est cette page-là qui est ouverte. Je comprends mieux. Exactement. D'ailleurs, ils ont mis une photo superbe de moi. Je l'ai pas vue, la skin. Mais en fait, elles sont toutes floutées, mais je reconnais une photo et je me dis, celle-là, il faut pas qu'ils la voient. Ah, d'accord. D'accord, je comprends. Bon, celle-là, il faut vraiment pas qu'ils la voient. Ces arbres, ils sont pas généreux, hein. Non. Et j'ai rien. Je me demande s'il y a pas un moyen de casser les... Peut-être avec le feu. Non, le feu, ça fait pas drop les trucs. Ah, déjà, tu veux déjà enflammer. Bah, oh je me dis que c'est peut-être un moyen de casser plus rapidement les feuilles. Après, je suis pas sûr que ça drop des trucs. C'est vrai. Non, c'est détruit, donc ça ne drop pas. Ouais. Allez, on se fait une autre petite hache, parce que la mienne en bois, elle est cassée. On a combien? On a déjà 8 minutes. Bon, ça va, on a largement le temps. Il faudra bien se préparer, du coup, pour le... J'espère qu'ils sont allés farmer de l'opsy. Le portail du Nether. Ben, je crois... Ben, en fait, je sais pas c'est quoi leur rétention, mais ils ont demandé les deux pioches en diam. Donc du coup, je crois que... Ouais, ils ont dû aller fermer de l'opsy. Ouais. Ça serait bien qu'on ait les popos assez vite, en fait. Oui. En fait, on va Nether maintenant. Comme ça, on est sûr qu'on peut tuer personne. Ah, j'ai une pomme. Je pense surtout que personne ne pourra nous tuer, vu qu'on est stuff. Oui, c'est ça. Bon, j'en ai une, donc je sais pas combien tu voulais qu'on essaie d'en avoir. Écoute, au moins pour une seule personne, je pense qu'on n'en aura pas plus de toute... Ah, j'en ai une aussi. Super, parce que les pommes, on s'entend que les pommes d'or normales, elles servent pas à grand chose vu que c'est pas du ultra hardcore. Donc ces pommes de notch seulement, et en faire deux, c'est vrai que c'est chaud. Tiens, je vais te la passer d'ailleurs, puisque tu seras la porteuse des pommes, exactement. Je suis une professionnelle des pommes de notch, de toute façon, c'est bien connu. C'est vrai, je l'avais superbement utilisé dans la première saison, enfin dans la seconde saison, pardon. Oh, superbement, c'est vite dit, mais c'est pas grave, on se reprend cette saison-ci. Donc, je vais miner de l'autre côté de toi, je pense. Quoique non, je vais pas te perdre dans une grotte. Tu me connais, moi je suis très douée. Ouais, alors il y a un truc à savoir, c'est que quand j'ai un outil dans la main, il faut jamais passer devant moi, parce que généralement c'est fatal. Ok. J'ai tendance à pousser les gens dans le vide sans faire exprès, à taper, à donner des coups, donc c'est... Je suis pas du tout fait pour la survie, moi. Ok, donc en fait, tu seras un spécialiste dans Top Gun. Hein, peut-être, ouais. Mais il faudrait que je sois à la top pour ça. Ouais. Parce que sinon, tu te ferais tuer des recs, hein. Bon, ah, Mr. Oui. B-Boy semble avoir perdu ses copains. RT, si c'est triste. RT. Ah, je crois que j'ai chopé un petit peu de minerai. Mais pas du fer. Enfin, j'ai un petit peu de fer, mais... Ouais, si tu veux, tu continues de descendre et je m'en occupe. Attends, j'entends quelqu'un. Salut. Bonjour. Hello. Coucou Clem. Hello. Coucou Poppy. Bon matin. Hello, c'est vraiment coucou Arm. Ah, commence pas Poppy. Je vais venir te tuer avec ma pioche. Bon, ça serait bien qu'on trouve un truc là, les gars. On est dehors, on va mourir. Tu sais qu'il faut qu'on sorte dans 10 minutes parce que sinon ils pourront nous tuer dans le trou, quoi. Oh, t'inquiète, Arm, il vient pas dans mes trous. C'est moi qui vais dans les siens. D'accord. Tout se passe bien.
Je suis en quelle couche? Je suis en couche 38. On va descendre un petit peu encore. J'espère qu'on va pas tomber sur quelque chose de dangereux. Au pire, je vais aller. T'as de la terre un petit peu? Je vais aller boucher l'entrée en haut. Non, t'en as pas. J'ai pas de dirt, mais par contre, j'ai pas mal de cobble. Bon, bah, je vais aller quand même boucher avec ce que j'ai en haut. Comme ça, ils retrouveront pas le trou. J'aurais dû faire une pelle. Pour le gravier. Ah oui, c'est clair. Attends. Attends, on va boucher ici. Ah, c'est la nuit. C'est la nuit? Ouais. Je serais d'avis de pas trop s'éloigner du spawn, hein, du coup. Ok, j'entends des meubles. Moi, je vais remonter, en fait. Hein. Je sens que ça va pas le non, faire. Non, on remonte, donc j'ai bouché pour rien. Donc je débouche. Ouais, je pense que tu peux déboucher. Ok. La bouteille de champagne. Ouais. Non, en fait, je pense qu'on devrait aller creuser pas loin du spawn pour revenir. Ok, bah, y avait une grotte là-bas, je crois. Donc on pourrait peut-être aller voir. Elle était pas trop loin. Parce que la nuit, c'est un petit peu dangereux avec tous les meubles, donc... déjà, il y en a un, là. Je l'ai même pas vu. Je serais décédé comme une merde. Oh, j'ai pris l'habitude de taper à la 1.9, maintenant. Oh non. Ouais, on peut spammer encore en 1.8, mais... Pourquoi il y a une arme? Ah, oh, il y a quelqu'un là-bas. Une... C'est Nat. À la table. J'entends un petit aussi. Laissez-moi. Non, on peut pas encore taper, on peut pas taper. Non, mais vous faites pas bannir. Moi, je cherche le chat. Tiens, j'ai ça pour toi. Bonne chance. Après, ils vont savoir où on est. Hello. Ah bon, on sait où vous êtes là, c'est bon, j'ai fait un screen. D'accord. J'ai volé tes torches. Adieu. Miss, c'est par où le château? C'est par là-bas. D'accord, go. Attention, le squelette. Ouais, je veux son arc. Waouh. Et non. Malheureusement, il a pas voulu. Un petit peu d'os. Ok, on va essayer de revenir au château. Je le vois même pas dans le ciel, en fait. Bah, moi non plus, mais je sais qu'il est par là. Allô, je crois que j'ai entendu quelqu'un en plus. Coucou, y a quelqu'un? Je crois qu'il y a quelqu'un, mais qui sait. Il ne parle pas. Ouf, il y a fait Creeper. C'est le Creeper qui parle? Waouh! Ne descend bon. Pas! J'ai perdu qu'un cœur, ça va. D'accord. Ouais, on va descendre. On peut pas descendre par ici. Là, il y a un petit peu de charbon. Là, il y a une grotte, je crois. Tu devrais peut-être pas rentrer par là. Enfin, moi, je vais essayer de me mettre sous le château, mais je ne le trouve pas. Mais t'es où? Attends, je t'entends qui t'éloigne, mais je te vois plus. Non, je te vois, t'es là, c'est bon. D'accord. Mais il est par là. Bah, le TP est par là. Donc je sais pas, le château est à combien de il temps est au-dessous, du TP. Mais normalement, on devrait le voir, en fait. Attends. Au-dessus ah de notre tête. Attention, petit trou. Fais gaffe, hein. Ouais, il faut que je fasse gaffe. Poulet. Pas de respect pour les poulets. Jamais. J'entends quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un. Ouais, ouais. Oh, c'est Skill. Pas de respect pour les poulets. Non, jamais de respect pour les poulets. Pas de respect pour les poulets, non. Comment vous allez? Ça va bien, ouais, toi? Moi, ça va. J'étais en train de raconter l'histoire de Bambi, que c'était un banc qui était bi et qui avait Pampan pour copain et Fleur comme copine. Voilà. Je vais retourner avec Grim. Je crois que ma santé mentale va aller mieux. Ciao. Bye. Où es-tu? Je suis derrière. Ah, je vois le château, ça y est. Ok, fais gaffe parce que j'ai vu une witch pas loin. Ah, ça, c'est mortel. Ouais, fais très attention au witch. Je pense qu'on devrait revenir au château, en fait. Maintenant qu'il fait nuit, et sortir quand il fera jour. D'accord. Bon, pour aller poser la canne à sucre. Ouais, on va faire ça. Ça sera plus judicieux. Le téléporteur doit être là-bas, il y a de la lumière. Ouais, elle est là. Tu me vois? Ouais, je te vois, je te suis. Allez. Ok, superbe. C'est parti, go! Go! Ok, on est remonté. Bon, voilà, là au moins on est safe. Par contre, fais gaffe, je crois que ça peut toujours spawn dans le château ou aux alentours. Donc on n'est pas à l'abri d'un creeper volé ou. Ok. Connerie comme ça. T'inquiète, on va assurer. Attends, par contre, je vais dormir dans le lit. Ça va plus mal. Enfin, ça sert à rien de toute manière. Parce que si je meurs, c'est fini. C'est fini. Mais il y a des fours, donc déjà, ça c'est bien. Au niveau des fours, j'ai pas grand chose à faire chauffer. Hein. Moi, je suis pas téméraire en fait. C'est ça mon problème. Bon. Ok, alors une table de craft, ici on va la mettre ici. Hop, j'en garde une sur moi, ça peut être pratique. Je vais faire les fours. Donc la bannière se trouve là, donc il y a une jump, mais c'est pas interdit que les gens puissent poser des blocs, donc ça sert à rien le jump en gros. Est-ce que t'avais des plans de fourbe pour empêcher les gens de monter? De monter, non. Bah, après il y en a qui ont pensé casser les blocs directement, ce qui est pas interdit hein, au passage. Ouais. Bah, j'y ai pensé, mais pourquoi pas? Je pense que c'est ce qu'on va faire en fait. Est-ce que j'ai assez de blocs? Attends. C'est les blocs avec les trucs. Voilà, fais très attention. Ouais, t'inquiète. Parce que là, tu tombes, c'est mort, hein, vu la hauteur du truc. T'inquiète, je fais le partout.
On a l'habitude avec Celestia, c'est pour ça. Oui. Un construire dans les airs, attention, attention, pas tomber. Ok, alors, voilà. Contre, on va être en manque de charbon, parce que j'en ai que quelques-uns. J'en ai 19, je crois. Il faudrait mettre dans le four. Ouais, ouais, j'en ai 19. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des lingots de fer? On va pas faire une enclume déjà, ça sert à rien. Voilà, donc j'en ai mis 10 là. Oh bah, de toute façon, les fours sont là, je vais remettre là. Ouais. Voilà. Ok, on va faire cuire un petit peu de bouffe. Faut garder de la terre pour la canne à sucre, on va la poser où d'ailleurs? Tiens, est-ce qu'on a un seau d'eau? Ouais, on a un seau d'eau. Je vais la mettre en bas peut-être. Ou est-ce qu'il y a de la place pour... Attends, on va se faire... On a un seau d'eau chaque, on se fera une source d'eau infinie? Ouais. Pour la mettre... On peut la mettre là. Attends. Il y a quoi en haut? Il y a juste une échelle avec rien? Oui, il y a rien. D'accord. Oh, tu peux aller sur le toit direct. Au calme. De l'autre côté. Ouais. Attention, par contre, là, il y a de la neige. On peut se faire des boules de neige et... Ah oui, on peut leur lancer dessus si j'essaie de monter. Et faire tomber les gens on a plus de flèches. Attends, du coup, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de place quand même parce que... Voilà, attends, ce qu'on peut faire... On va faire la source d'eau directement dans la base, on va pas s'embêter. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que nos copinous vont nous ramener. Bonjour. Coucou les copinous. On parlait de vous, vous justement. Vous avez ton pseudo. Dites-moi que vous avez de la canne à sucre. Oui. Eh bien, moi, je vais vous faire plaisir. J'ai un stack de charbon, un stack de fer, 14 d'obsidienne pour table d'enchant de plus nether, 19 diamants et, 40, et 43 d'or. 19 diamants. 19 diamants et 43 d'or. Et j'ai trouvé la grotte de l'amour. Là. Et après, ça dit que ça n'utilise pas X-ray, hein. Ah, t'as vu? Ça, c'est skillness. Ah, bon, ouais. Non, bah, c'est plutôt cool, écoute. Super, alors, bah, nous, on a pas mal de cuir. On a la canne à sucre. On a deux pommes. Donc, ouais. Voilà. Et on a une source d'eau infinie. Parfait. Écoutez. On a cassé les blocs pour accéder à la bannière. Ouais, de toute façon, il va falloir. Hein, il va falloir casser. Hop, je fous les fours un peu. Allez, tu caches, je pose. Vas-y. Hop. Ouais. On va prendre. Non, celui-là ça sert à rien. Ok, là ça peut pousser. Voilà. Moi je suis rassuré, j'ai Grim avec moi. Ah bah oui. Je vais t'organiser cet hôtel. Par contre, comme je disais à Miss, je suis pas très téméraire en fait. Donc moi j'aime bien le confort du foyer. Voilà. Ouais, bah. Ça veut dire que je vais aller dans le nether, c'est ça? Ah bah écoute, moi je te fais entièrement confiance pour le nether, tu fais ça tellement bien. Ouais, professionnel du nether. On va voir, on va voir. Bon, en tout cas, j'ai un bouquin. Est-ce que t'as de l'opsy? Ah oui, bien sûr, tiens. Bah moi je peux t'accompagner. Allez, fais la table d'enchant si tu veux. Je vais faire la table d'enchant, c'est parti, je m'occupe de la base. Let's go. Tu veux m'accompagner, Miss, dans le nether? Ouais, j'ai peur, mais c'est pas grave, allez. À chaque courage. Il faudrait juste un arc. Il me faut le diamant aussi pour le... J'ai pas... Oui, pardon. J'ai pas de fil, rien. Tiens, hop. Mais si tu veux, il y a des boules de neige. Faut voir ce qui... Ah oui, pas bête du tout. Il y a de la neige sur les toits et pas tout. Ouais, mais on va faire ça, écoute. Ah bah j'ai pas eu le fait, écoute, hein, tant pis. Je vais la mettre où? Je vais la mettre là-bas. Avec 17 diamants, je fais quoi? Je vais faire un plastron déjà. Ouais. Et puis j'ai la possibilité de faire un deuxième plastron, ou alors je me fais des bottes plus casque, comme vous voulez. Attends! On est en 1-8. Il faut du lapis pour... Ah bah oui, tiens, je t'en prie. Si t'as besoin d'argent, tu m'appelles. Écoute, il manque d'argent dans mon compte. Écoute, je considère que cette offrande en échange mérite des casques, hein, des bottes en diamant. D'accord, Oh la vache, j'ai la full diamant, c'est pas vrai. Je comprends pourquoi tu gagnes à chaque fois qu'on fait. Mais que dalle! Je peux avoir le lapis? Je trouve jamais rien, c'est ça le pire. Je trouve jamais rien. Bref, les gens, c'est déjà la fin du premier jour. On va aller dans le Nether bientôt. Bientôt. Ouais. Ciao. Bref, on vous laisse, bye bye.